تتصانف في ذي ومدان عمور جنجي ذيك وزغال ذيك تتصانف في ذي ومدان حوسن سيب وغريب هذا سكاواغي متاونيم ارتح موسى لوالنيم هذا سكاواغي متاونيم ارتح موسى لوالنيم شاهوس سيم سلاين الطوفان أضرت لا غوان ستيم نغني الشيخ محمد الحسين أضرت لا غوان ستيم نغني الشيخ محمد الحسين دي 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 سفر الأحزان شرك غثي الموسيقى يزهان في الحفلة شني غثي مدان أن عندك
فكرة دي بالتال الله 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 الغاني الله 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 الغاني الله 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 الغاني الله دالي 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 غال
يكتن سانا فليدي وهدان Comme lui, comme disait tout à l'heure Moustapha Ben Saadi, il physiquement, il enflammait les foules et Djamel aussi. Mis à part Mohamed Lamani, qui était également une tête de scène. Ça fait pas longtemps que vous dites tellement avant. Et que ça, alors que Edel est un ami, un très bon ami à moi, un très bon ami. Il avait une affection. Quand il chantait avec affection. D'autres non. D'autres ils sont là. Bon, je m'excuse, hein, les gens vont peut-être se sentir visés. Moi, je ne dis pas de la force, non. Le signe de l'astre, le signe et l'astre étant symbolique de la vie sous les aspects de la chaleur, de l'éclat et de la puissance rayonnante. Djamel est placé sous la protection du dieu Hélios. C'est le dieu grec du soleil. Djamel, par son signe astral, caractérise l'épanouissement de la nature sous les rayons chauds du soleil, qui est son maître planétaire, cœur central du ciel. Il exprime la joie de vivre, l'ambition de l'élévation. Il passe ainsi des aurores du printemps à la magnifiance de l'éternel. Mon ami Djamel est chiant, mais il faut voir comment il est. Je dis, mais il est perfectionniste, il a des belles choses, il faut qu'une chose soit bien. Quand on regarde Djamel, on regarde Djamel, on dit, ils sont juste. On me raconte quand dans les studios à Paris comment il fait. Marie-Ange Guillaume. Exporter la musique kabyle très loin dans plusieurs pays, notamment européens. Et ces chansons, elles ont permis de toucher un plus grand public, y compris en France, dans les boîtes et tout. Tout le monde dansait sur Maladour et compagnie. Et il disait, mais c'est quoi la langue, tu vois? Eh bien, c'est du kabyle. De là, après, il faut encore faire un speech pour expliquer c'est quoi pour certains. Mais tout le temps, même dans les fêtes entre amis et tout ça, il y avait des disques de Djamel, parce que, ben voilà, on était jeunes comme lui, hein, on avait à peu près le même âge. Et donc, c'est même à l'heure actuelle, hein, je retrouve encore des disques. Il avait fait ses coffrets, j'en ai offert à tous les gens, à tous mes amis. Parce qu'il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Plus j'en mange. Et on animait un établissement très joli. Tu vois, je t'ai vu si le grill d'État du grill room. Bonjour, quelle belle journée splendide. Oui, c'est comme ça qu'il commence. Il t'a raconté. Oui, oui, oui. Et puis juste après, le directeur qui rentre, qui dit, mais ça va pas. J'ai deux coups de dehors. Un jour, il y avait l'animateur Mohamed Gouini, il y avait Djamel avec lui dans le studio. Et donc Mohamed Gouini faisait une émission interactive, téléphone, etc. Et puis il pose une charade, une devinette. Alors il dit, lorsqu'un Chinois est écrasé, qu'est-ce que ça donne? L'autre il donne, ça donne du riz, ça donne un panda, ça donne ceci, ça donne cela. Il a dit non, vous vous trompez, ça donne une ligne jaune. Et il y avait Djamel là-dedans. En direct, il a dit, il y a un pote qui a donné un laps. Comme ça, c'est sorti comme ça. Il se met mis à pied. C'est-à-dire que c'est devenu un truc politique alors que c'est une blague comme ça pour rigoler. C'est pas grave, c'est ça. Oh, c'est ça. En même temps, 48 heures, il m'a dit, ça dit, il faut que je fasse absolument. Mes 40 ans de carrière, trouve un truc et tout, donc ok. Et lui, il a appelé tous les artistes, et il y en avait une bande, la bande Apollo. Il y avait Khaled, il y avait plein de chanteurs qui sont venus pour chanter, même à Mazerkatek, tu sais, vraiment. Et chacun a chanté des chansons, une chanson de lui, ou les refrains, ou les trucs comme ça. Et c'était magnifique. Donc, en fait, il était bougon, ça, c'est sûr. Grognon parfois, mais il avait une sensibilité à fleur de peau. Et puis maintenant, ben voilà, après, c'est les prolongations avec les rencontres. Et puis, parce que je dois couvrir les rencontres depuis.
qui ne connaissent pas l'association Jaya, l'histoire de Bijaya, son président. C'est familial, c'est convivial, c'était super, c'était bien fait. Il y a tout comme ça. On remet sur la piscine. On remet sur la piscine. تيربي ابا بابا تيربي سبعه يا صوفيا تيربي تحبيت مليح مليح جامد دا خميس تحبين تلك اللي ذاك اللي خدم من دايس يعطيكم الصحه كل ميدال توت ليكيب سا اقرا واحد فاميليا من دكان جمال العالم الشراوي جات كاين تسويتين كي بيرسونالمون جو تري كونتون C'est parce qu'on a rendu un hommage à Jamel Amam, à Jamel Adam en première année de l'anniversaire de sa mort, avec d'une manière sobre, c'est-à-dire simple et très efficace. On n'a pas ramené de vedettes, chanteurs vedettes, on n'a pas ramené de ses amis, sa famille et des jeunes qui sont la relève de Jamel. Parce qu'on n'a pas voulu ramener des grands chanteurs. Nous avons ramené des chanteurs qui sont sur la voie de Jamel Alam. Ils ont repris le répertoire de Jamel Alam d'une manière extraordinaire. C'est ça la relève. Toujours donner la chance aux jeunes. Et on aujourd'hui, cet hommage, parce que Jamel Alam, il a toujours aimé les jeunes. Il a toujours accompagné les jeunes. Et aussi essayé de redonner. C'est-à-dire qu'on a rendu hommage à Jamel Alam, on a suivi sa feuille de route parce qu'on a travaillé avec des jeunes. كنا ودا غني كلا ودي وسنا الساعر ده يعطيكم صحة ثاني ميرت إن شاء الله تي دس كاسم زوج متينس إن شاء الله تي العادة اللي قمن إل بدا ستادير pour l'éternité chaque casse de notre métier ou à son année fondation ou à son semaine حاجة ça me rend très heureux là ça m'a d'abri d'un mode l'institution de musique quelque chose comme ça une structure culturelle de la ville Et à la prochaine. La première réunion de la célébration du décès de Jamel Alam est terminée. Ça fait plaisir que c'est toujours le théâtre qui organise une chaîne, enfin une stable activité. Parce que Jamel, comme je l'ai dit, c'était toujours son souhait. Même maladie, c'est-à-dire au niveau du TRB. Le TRB pour lui, c'est sa maison. C'est sa maison vraiment. Rachamiz, Raïdilou et tout. Donc aujourd'hui, vous avez vu ce beau public. Je remercie les organisateurs, donc la direction de la culture, la PC, tous les travailleurs du TRP, la maison de la culture. C'est tout le monde qui écrit le Menefous pour réussir l'événement. Les amis Inès, un peu partout d'Alger, ceux de Béjaïa. Ce qu'on a vu aussi cette fois-ci, c'est que le public, il était bien Jamel Alam. Il était là au sein de Farhan Divnar, Tiroun Divnar, parce qu'on a passé des moments en Dan Tiroun, Tatsan, Farah. Et ben ça fait plaisir. Inch'Allah, ce ne sera pas la première fois et la dernière fois. Parce que nous avons même Kabel, Wabel, pourquoi pas faire des journées spéciales. Jamel Alam, le prix spécial Jamel Alam, parce que ce grand monsieur mérite beaucoup de choses. Et nous, on a vu les groupes Gadani qui essayaient sur scène, c'est presque, ils ont chanté presque comme le même répertoire, mais avec des styles différents. Donc la relève est liée, c'est déjà quelque chose, la relève est liée. Et Akhnidina, monsieur Al-Ghad tout à l'heure, c'est que quand tu vois les jeunes aînés, parce qu'aujourd'hui, il faut remercier le directeur de la culture, monsieur Al-Ghad, qui a donné la chance
à ces jeunes aujourd'hui de venir. Parce que c'est facile de ramener des stars, ils connaissent quand même le répertoire de Jamal Athar Hamarbe, c'est simple. Mais aujourd'hui, il y a la relève, il y a Rahima, il y a le groupe Banks, il y a... Enfin, les troupes Gaddani qui l'essayaient, vraiment, vraiment, on était aux anges. Parce qu'il y a chaud. Et en même temps, Jamal, il était quelque part. Il était là, il était un peu partout, on entendait Tatsa Inès, Wahid Tsiksar Inès. Donc vraiment, j'espère que, Inch'Allah, Qabel Tani, ce sera encore meilleur. Et pourquoi pas se corriger à chaque fois que les années t'aident, Inch'Allah. Merci, wa atikoum saha. Là. بكيت صوت صار انا باش نمشيو الفريمان با وي باسكو سا ريفي دي ايموشن دابور je suis à côté de lui, il est là, il est vivant. Ouais. Elle dit de la naissance. Un chapeau, il est bien habillé. J'aime l'âme, c'est ça sa nature, être bien habillé, être bien entouré, chanter, vivre, croquer la vie à plein dents. La convivialité, le partage, l'altruisme, la générosité, c'est lui. L'anniversaire du décès, moi j'aime pas dire la mort, l'anniversaire du décès, l'anniversaire de son départ en voyage pour l'éternité, voilà, c'est encore mieux. Parce que, il faut pas dire qu'un artiste est mort, qu'un artiste a disparu, ça c'est... Ils sont partis, tous les artistes qui sont partis avant lui, et lui, il a pris également le départ pour le voyage éternel. Il est en train de voyager, il vit dans l'éternité. Parce qu'il y a une vie dans l'éternité. Il y a une vie. Jamal Al-Alam vit dans l'éternité. Il va rencontrer ses grands amis, Georges Moustaki, Georges Brassens, Charles Aznavour, Marcello Mastroianni, qu'il aimait beaucoup, Serge Reggiani, et beaucoup d'autres qui sont partis, Grouabi, Hachmi Grouabi, Hadj Lanka, Boujmal Anqis, les grands, Cheikh Nordin, etc. Les chansonniers, les grands maîtres. Parce que lui est un grand maître. Il a légué trésor aux générations futures, les générations qu'on a vues aujourd'hui. Ces jeunes-là, c'est la génération qui va prendre la relève de Jamal Al-Alam. C'est très important. Tout à l'heure, j'entendais monsieur le directeur du théâtre et monsieur le directeur de la culture parler de relève et parler d'un programme organisé autour de cette jeunesse. Parce que les gens n'ont plus besoin de grandes stars. Voilà, ça a été une révélation, une vraie révélation. Jamal, ton talent, tu l'as transmis aux jeunes générations, particulièrement Béjaoui et la génération algérienne, la nouvelle génération. Ton art, tes idées, ta poésie, ton sourire, ta tenue de scène, le lion. Tu es un lion parce que tu es né sous un signe du soleil. Tu brilles par ta bonté, ta générosité. Ne me souris pas. Hein. Vous voyez, il souffre. Et donc, l'hommage en lui-même est très réussi. Pourquoi il est réussi? Parce qu'il est simple. Il est très difficile de réussir les choses simples. Difficile de réunir les choses simples parce que lui, il était simple et flamboyant à la fois. Flamboyant pourquoi? Parce qu'il aimait être entouré, il aimait donner, il aimait partager, il aimait la vie, mais il aimait partager sa vie avec d'autres. Ce qui fait que c'est tout ce comportement, tout cet aura qui l'entoure, tout ce karma, il a un karma, il a un charisme qui fait que Jamal Al-Alam est aimé, et son art, le chant, la musique, la composition,
tous les instruments d'ailleurs, tous les instruments, la percussion, les instruments à vent, les instruments à cordes. Il est extraordinaire, il maîtrise tout et il s'est construit tout seul. Il s'est construit tout seul. Ils sont rares les artistes qui se sont construits tout seuls. Il est parti, hein. En 1967, il avait à peine 20 ans, il traverse la Méditerranée, il prend le bateau, il arrive à Marseille, dans un pays qu'il ne connaissait pas encore. Il ne connaissait pas bien Marseille, mais il avait des connaissances comme ça. Et c'est comme ça qu'il a débuté sa vie, qu'il a grimpé les échelons, jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide de l'art, l'art lyrique, c'est-à-dire l'art du chant. Et il est arrivé à s'imposer dans le monde artistique, dans la vie artistique, pour devenir une icône de la chanson kabyle moderne, de la chanson algérienne moderne. Il est le précurseur, hein, de cette chanson, de cette nouvelle génération de chanteurs des années, fin des années 60, 70. Et aujourd'hui, on a vu la relève. Il a travaillé sur plusieurs répertoires du patrimoine. C'est très important, sur plusieurs répertoires du patrimoine, que ce soit le patrimoine donc ancien, traditionnel, que le patrimoine moderne. Il a chanté pour chaque catégorie, hein, d'individus, les adultes âgés, les moins âgés, les jeunes, etc. Donc, son travail, son répertoire à lui, mérite d'être étudié en science de la musique, ce qu'on appelle la musicologie. Il aime donner, il adore partager, il adore partager. S'il a un morceau de pain, il le partage en mille, pour que tout le monde soit rassasié. Aujourd'hui, donc, on m'a invité, on m'a demandé, on m'a dit, Yassine, tu viens, etc. Je suis venu justement apporter ma contribution à cet hommage, ma modeste contribution, parce qu'il y a d'autres qui ont apporté leur contribution. Donc je suis venu. Il est un devoir, je dis bien un devoir pour moi, de venir justement rendre hommage à mon ami. Et tout à l'heure, lors de la table ronde, j'ai été également très surpris de voir notre ami commun, Mustapha Ben Saadi, qui est un grand musicien, qui dirigeait l'orchestre Les Rythmes à Alger, et il était chanteur également, et Djamel Allem justement fréquentait les Algers, les Freedom, les rythmes de le groupe rythme de Mustapha Ben Saadi. Ben, j'étais très 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 content, et le plaisir de voir Mustapha Ben Saadi à côté de moi sur la tribune pour justement apporter notre témoignage, notre savoir et notre connaissance sur Djamel Allem. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes venus pour perpétuer la mémoire, parce qu'il est un devoir de mémoire pour nous d'honorer la personne de Djamel Allem, d'honorer l'artiste qui est Djamel Allem, d'honorer sa mémoire. Nous, nous sommes des passeurs de mémoire pour les nouvelles générations. Et pour terminer, vous avez vu la pléiade de jeunes artistes qui vont devenir de grands artistes, parce que Djamel Allem, ça y est, il a semé la graine. On a vu la graine aujourd'hui, la nouvelle graine, et c'est le bonheur de Djamel Allem. S'il était là, il aurait été dans un bonheur immense, incommensurable, comme il était lui, l'homme, l'artiste, le créateur d'un génie incommensurable. Et je termine ainsi, je vous remercie. Salut Djamel. C'est pas facile, en tant que directeur de culture, donc c'est pas mon premier hommage pour des grands artistes. J'en ai fait en tant que directeur. Je me rappelle que j'ai fait un hommage pour Bahia Farah, pour Jamal Amrani, quand j'étais ailleurs dans d'autres wilayas, pour Mahbou Bati, etc. Mais pour Jamal, c'est vraiment très très difficile. Très difficile, d'abord vu la stature de Jamal, la dimension de Djamel Allem. Djamel Allem, c'est un chanteur, son nom il a dépassé les frontières. Djamel Allem, il ne nous appartient pas, en fin de compte, hein, il appartient à l'humanité, donc il appartient au patrimoine mondial, pour ainsi dire. Djamel Allem, il a côtoyé des grands artistes de la chanson française, donc son city de nom, Bénin.
Mais depuis que la date approchée, donc le compte à rebours a commencé, je ne vous le cache pas. J'ai contacté les plus proches de Jamal Allam. J'ai contacté les artistes qui ont fait la scène à Jamal Allam. Et ils ont refusé carrément. Je dois le dire. Ils n'ont pas refusé de faire le spectacle pour Jamal, mais on va faire un autre spectacle tous. Mais je l'ai dit, Jamal Allam, il appartient pas à une secte ou à des individus bien déterminés. Jamal Allam, il appartient à tous les Algériens et à toute l'humanité. Donc à partir de là, je me suis lancé un défi. Calmement, tranquillement, j'ai des amis artistes. Moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Je ne l'ai jamais dit, j'ai le frangin qui a fait plus de 60 spectacles avec l'Université de Minglet, les années 80. Donc, je connais les rouages du domaine artistique. Il y a une patte qui arrive, il y a une nouvelle vague de chanteurs qui arrive. Et je me suis dit, pourquoi ne pas travailler avec ces jeunes-là? Je les ai appelés. Ils sont venus avec un très très grand plaisir. Ils adorent Jamal parce que moi déjà en tant que directeur, moi je suis un fan de Jamal Allam. Je peux même vous chanter quelques chansons, plus normalement du monde. Donnez-moi maintenant un bender par exemple, je peux commencer à chanter. Donc moi Jamal Allam, je l'ai dit, je l'ai redit. Moi j'ai acheté 133 tours en France, les années 79. 80, je l'ai payé à 120 francs. Donc moi, je suis pas le type galestinan, le normal. Alhamdulillah, d'abord j'ai fait confiance au cadre du secteur, en l'occurrence le directeur du TRB, je remercie infiniment le directeur de la maison de la culture, le cadre de la direction de la culture, qui ont travaillé d'arche-pied durant cette semaine. Dieu sait que si j'ai abandonné même ma femme. La semaine dernière, j'ai fixé un seul objectif, c'est la réussite de l'hommage. Ça, ce n'est pas un défi pour moi, parce que ce chanteur-là, quand même, il pèse lourd, très lourd même, très lourd. Donc, moi, je suis content, sincèrement, je suis triplement content, pas doublement. Triplement, pourquoi? On a fait une exposition photo, que de bonheur. Présence de M. Louali, le premier responsable de la wilaya, premier magistrat de la wilaya, de ses amis, de sa famille. Donc, je pense que ça a marché. On ne peut pas dire que l'exposition elle a été nulle. Tout le monde, qui a vu l'exposition, ils étaient contents. Deuxièmement, le film témoignage. Donc, c'est un très bon film. Et on a censuré personne. On a laissé l'image parler. Donc, on a laissé les gens s'exprimer. Les gens qui ont assisté au troisième jour, plutôt à l'enterrement, au 40e jour, les différents hommages. Donc, on a laissé l'image. Donc, il y a aussi les débats. Quand il y a des personnes telles que les compagnons de route de Jamal. Tu vois, Rabbi al-Alami, quand on travaille, ben niya. Il dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que parce que nous, Jamal, nous avons fait un calcul. C'est notre travail. On va le faire pour les autres, il n'y a aucun problème. Mais Jamal, c'est à part. Qu'on lui veut ou non. Jamal, c'est à part. La ghalib. C'est un monument. Donc, il y a Yassine Sihmed. J'ai monsieur Ben Sadi, c'est ça, il s'appelle Ben Sadi. Ben Sadi. Un monument aussi, la pop, un grand intellectuel, un écrivain journaliste, Madame Seyri. Sadia, donc le cinéaste monsieur Arqoub. Oui, je dis. Chérif Agoun, plutôt. Oui, je dis. Il est témoigné à Chéhadou, mais il dit que l'agar wahd n'har kli na kif kif, tayib na kif kif. N'est-ce pas, c'est Sofiane? Il dit que
كنا كيف كيف طيبنا كيف كيف واحد نهار احنا المارشي كيف كيف سي با سا سي با سا هذا اللي يقول لك طلع النيفو جمال لازم له انتاز دكتوراه لازم له ان ترافاي دو ريشيرش والحمد لله اليوم كي نشوف اميليرا كي نشوف اميليرا نقول باللي لا كونت يا ان ترافاي كي طون ترانسفير كي نشوف الجروب بانكس نقول باللي يا ان ترافاي طون تران دو سيفير كي نشوف رحيمه خلفاوي نقول يا ان ترافاي كي طون ترانسفير دونك ما نوتر ساتيسفاكسيون هذه هي اي جو ريميرسي كل لي زارتيست كل لي شانتور كي اون بارتيسيبي فو دير ils ont participé gratuitement, n'ont rien demandé, pas de cachet, alors absolument rien. Donc je les remercie de fond de cœur et tous les gens qui ont participé de près ou de loin, soit le personnel, soit l'équipe de TRB, l'équipe de la direction de la culture, maison de culture, mouvement associatif, l'association, l'espoir de Bidjaya, donc tout le monde, y compris vous, Oulomatikoum Saha, du fond du cœur. Thank you.